Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule et bien pour entamer ce mois de juillet 2023. Avant toute chose, je voudrais souhaiter de belles vacances pour toutes celles et ceux qui prennent leurs vacances au mois de juillet. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Eh bien, écoutez, pour le mois de juillet, nous allons faire un tirage par semaine. Vous allez avoir la possibilité de choisir parmi trois cartes, soit la 1, la 2 et la 3. Et nous allons prendre l'oracle des nombres. Nous allons entrer dans la magie de la numérologie intuitive. Cela veut dire liberté, le pouvoir, nouveau départ, inspiration, le lâcher prise, la réussite, le changement, etc., etc. Chaque nombre, n'est-ce pas, révèle sa propre vibration. Et entrer dans leur énergie, eh bien, on trouve des réponses. Et vous trouverez certainement des réponses à vos questions. Avec pour chaque carte que vous aurez choisie, n'est-ce pas, tout au long de ce mois, eh bien, avec une signification du nombre, un message divinatoire et des conseils et un message transformateur. Que la magie opère, n'est-ce pas, avec ce magnifique oracle des nombres. Alors, vous avez la possibilité de choisir carte 1, 2 ou 3, je me répète, excusez-moi. Donc voilà, je vais vous laisser le temps de choisir. Soyez bien à l'aise pour choisir votre carte. Posez votre question. Soyez bien à l'aise. 1, 2 ou 3, je vous laisse quelques instants. Bien. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien, j'ai pigé l'action. Et l'action, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1, eh bien, c'est un chiffre important en numérologie, car il symbolise, eh bien, le début, le commencement d'un nouveau cycle. Je pense que la semaine passée, on avait eu le chiffre 9, et le chiffre 9, ça clôture un cycle. Ça ferme la boucle. Eh bien ici, c'est un commencement à quelque chose, à un projet, à une création, une de vos créations. Ça peut être aussi, ça fait référence, le chiffre 1 fait référence à de nombreuses choses qui sont très positives, telles qu'un eh bien, un nouveau départ, ça peut être dans le milieu professionnel ou dans le milieu sentimental. L'indépendance à quelque chose ou à quelqu'un, ou encore le progrès d'une création, d'une de vos créations, le progrès d'une chose que vous êtes en train de mettre sur pied. Eh bien, ça vient aussi vous dire... Allez, le 1 vous invite à suivre le chemin qui vous mène au succès. Il vous invite à agir en toute autonomie et à déployer vos ailes. Il vous invite à concrétiser ce que vous êtes en train de mettre sur pied. C'est le bon moment, vraiment, pour entreprendre de nouvelles actions. On vous demande de vous faire confiance. Vous avez toutes, mais toutes les clés en main pour réussir. Alors, ça peut être, vous pourriez créer votre propre entreprise. Vous pourriez aussi fixer un rendez-vous qui est important dans le milieu professionnel pour monter peut-être en grade,
Vous pourriez aussi, le chiffre 1, passer à l'action en contactant un organisme pour votre projet, pour votre créativité. Ça peut être aussi démarrer une nouvelle activité. Ça peut aussi être changer de travail ou débuter une nouvelle relation amoureuse. Voilà, le chiffre 1, eh bien, ça donne toutes les possibilités, commencement, début de quelque chose. Donc, allez-y, vous avez toutes les cartes en main. C'est vraiment le bon moment d'agir, de vous affirmer et d'avancer vraiment par vous-même, tout en gardant, eh bien, le contact avec les autres, n'est-ce pas ? Prenez votre vie en main. Et accueillez la nouveauté. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors, eh bien, atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Ne rêvez pas votre vie. Vivez vos rêves. Eh bien, cette carte, elle vient aussi vous dire de développer votre confiance en vous parce que, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez un manque de confiance. Il faut travailler là, sur ça, vraiment, oser aller de l'avant. Vous en êtes capable, vous avez les possibilités intérieures. On vous invite aussi à vous affirmer. Agissez avec, eh bien, conviction, c'est important. Allez-y, le chiffre 1, c'est passer à l'action. Alors, le message de transformation, j'ai l'intime conviction que ce qui m'est destiné me parvient facilement. Je poursuis mon objectif avec la foi la plus totale, en étant assurée que j'ai déjà réussi. Voilà, vous répétez ce message de transformation 3 fois. Je vous souhaite une belle journée, une excellente semaine dans l'amour inconditionnel. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et de ceux qui vous entourent. Moi, je vous retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse. À tout bientôt. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien, j'ai pigé le 31, chance. Et c'est au point de vue professionnel, donc c'est le chiffre 31. Et le 31, eh bien, il a la réputation d'apporter chance. Il a la réputation d'apporter de la protection dans les affaires. Il favorise, eh bien, la mise en place de projets qui aboutiront sans avoir à fournir trop d'efforts. Donc, si vous avez des projets, eh bien, ces projets vont aboutir sans pour cela que vous vous tuiez au travail. Il est à l'aise, hein, dans les relations sociales et sera souvent soutenu, eh bien, dans ses entreprises par des appuis venus de l'extérieur. Et on peut dire qu'il possède d'excellentes énergies personnelles ainsi qu'une bonne mémoire, ce qui lui donne une grande capacité d'adaptation. Ce nombre est synonyme, eh bien, de richesse, de succès et d'expansion permanente grâce au travail. Il invite à développer méthode et organisation ainsi qu'une certaine persévérance pour arriver à ses fins. Et grâce, eh bien, à sa force intérieure, n'est-ce pas,
le 31 parvient toujours à se relever des coups durs et à repartir de plus belle. Si maintenant vous avez trouvé un coup dur présentement, eh bien, avec cette carte, elle vient vous dire que vous pourriez vous relever de ce coup dur que vous venez de vivre. Il bénéficie aussi souvent d'appui hein, ou de concours, de circonstances favorables eh bien, sur son parcours de vie. Il est endurant et sait s'adapter tout en gardant eh bien, une ligne de conduite. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous savez saisir les opportunités. Vous savez prendre des risques et vous les prenez, ces risques, ils sont calculés. Vous vous donnez en tous les cas les moyens d'atteindre vos objectifs. Pour d'autres, eh bien, vous êtes appelé à connaître un certain succès. Vous pourriez voir tous vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide, voire, eh bien, surprenante, comme si vous ne vous y attendiez pas. On vous invite à saisir la chance qui s'offre à vous actuellement, car vos entreprises sont renforcées et vos finances équilibrées. Donc, c'est une belle carte de chance professionnellement, n'est-ce pas ? Ce n'est pas au point de vue sentimental. Quoique, on pourrait aussi dire que, au point de vue sentimental, eh bien, vous pourriez voir le jour aussi d'une nouvelle personne concrétisée au point de vue sentimental. Eh bien, voilà pour cette belle carte, hein, 31, chance. Et le message eh bien, de transformation, je saisis les opportunités qui viendront couronner mes entreprises de succès. Je m'adapte à ce qui vient et mets mon expansion au service de mes projets tout en cultivant des relations sociales saines et constructives. Eh bien voilà pour cette carte numéro 2. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, en douceur, tout en douceur. Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis moi, je vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine capsule. À tout bientôt. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien j'ai pigé la carte à l'envers. Le numéro 29, éveil spirituel. Eh bien, le nombre 29 projette une forte vibration intérieure et il possède en lui eh bien, à la fois la douceur du féminin et la force du masculin. Le yin et le yang, n'est-ce pas ? Il représente les efforts spirituels et évoque une mission d'éveilleur de conscience. Et il est capable de se relier à l'invisible. Comme je l'ai pigé à l'envers, eh bien, en négatif, le 29 peut vous apporter de fortes tensions émotionnelles et il vous faudra apprendre à dominer cette tension émotionnelle afin d'éviter des problèmes ou situations difficiles, c'est-à-dire des attitudes passionnées. Pour certains d'entre vous, vous pourriez souffrir d'une déception amoureuse et cela pourrait vous causer d'immenses souffrances. Et par cette souffrance, n'est-ce pas, eh bien, vous aurez des difficultés à vous adapter à une nouvelle relation,
parce que vous n'arrivez pas à fermer cette porte. Vous pourriez aussi être agressif, insupportable, lorsque vous constaterez que vos principes sont violés ou que les choses ne se passent pas comme vous le désirez. Et cela, eh bien, cela va occasionner une grande perte d'énergie. Alors les frustrations, les déceptions et les éventuelles défaites, n'est-ce pas, pourraient vous provoquer des maux d'estomac et d'autres organes du système digestif. Alors, la petite sonnette d'alarme pour certains d'entre vous, il faudrait faire attention à votre alimentation, car vous auriez tendance à partir dans l'obésité, donc contrôler vraiment vos aliments et vos boissons, les boissons sucrées et tout ça. Hein. Alors, vous êtes, pour certains d'entre vous, probablement en proie à des émotions fortes et à des difficultés à vivre une relation affective saine et équilibrée. Donc, cette carte, elle vous conseille de travailler sur votre autonomie affective. Essayez d'atténuer votre dépendance envers ceux que vous aimez. Prendre du recul par rapport à tout ça, parce que vous êtes dans une attente émotionnelle, dans une demande émotionnelle, et ça vous fait souffrir. Il faut travailler sur la gestion de vos émotions, n'est-ce pas? Parce que là, vos émotions, ça part à la dérive. Vous avez parfois aussi tendance à vous placer en position de victime, vous victimiser. Mais là encore une fois, il faut revenir à vous, n'est-ce pas? Alors, il y a une partie de vous qui est souvent dans la dualité, l'adversité. Donc tout ça, cette carte, elle vient vous dire, puisque je l'ai pigée à l'envers, eh bien faire un travail sur l'émotionnel, un grand travail sur l'émotionnel, et laisser partir ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous rend plus heureux, heureuse. Voilà, fermer des portes. Alors, le message de transformation, je fais de plus en plus confiance à mon intuition. Je suis un appui pour ceux qui ont besoin, eh bien, de mes lumières. Je m'associe et collabore avec enthousiasme. J'accueille mes émotions afin de développer mon autonomie affective. Donc c'est surtout au point de vue des émotions, n'est-ce pas, pour ce nombre 29, et puis demander à vos anges de vous aider. C'est quand même, si vous avez des difficultés, et si vous avez des difficultés à croire, il serait peut-être temps de faire un éveil, l'éveil spirituel, n'est-ce pas? Ça peut vraiment vous aider. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une excellente semaine, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous en douceur, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Puis moi, je vous embrasse et je vous dis, on se retrouve dans une prochaine capsule. À tout bientôt.